La loi anti-métissage qui est importante parce qu'elle opère plus de 300 ans dans la société. Ces lois anti-métissage ont été littéralement façonnées par ce groupe de près de 2000 personnes et quelques. Aujourd'hui, la législature du Maryland cherche à corriger l'encouragement des mariages décrits dans cette loi précédente de 1664. Citée comme une disgrâce et une honte au peuple britannique, comme cette indication en citation que la femme britannique ou née libre devait abandonner son statut de personne libre. Donc, ils ont adopté la loi de 1681. Dans cette loi, il a été rendu illégal pour un Britannique et d'autres femmes blanches d'épouser un esclave nègre et en outre, la loi punit tout propriétaire foncier qui encouragerait ces mariages ou toute autorité religieuse qui y aurait officié. Cette loi équivaut aussi au jour où l'invention de la catégorie humaine dite blanche a eu lieu. Serait-ce possible que ce groupe d'engagés sous contrat servile, dont certains venaient du Portugal, d'autres de Hollande ou bien d'Irlande ou même d'Écosse, n'avaient jamais eu à subir un peu de transformation génétique juste après l'Assemblée générale du Maryland, et qui auraient créé du même coup de cette génétique brassée, ce que nous appelons aujourd'hui les Blancs? La Virginie a passé sa première loi anti-métissage en 1691. En Virginie, la loi interdisant à la fois aux hommes blancs et aux femmes blanches de marier une personne de descendance africaine ou un membre d'une tribu indigène est indiquée dans les études sur les tribunaux qui révèlent en fait la loi anti-métissage comme interdisant ces mariages pour les hommes blancs que dans le texte. Mais nous savons que beaucoup d'hommes blancs mariés ou engagés dans des relations sexuelles intimes avec des femmes leur étant interdites n'ont que très rarement été traduits en justice et punis par la loi anti-métissage. Vraiment que très rarement. Alors faites attention. Ici, cette loi, dans son application, est largement concentrée sur le contrôle de la relationnalité et la sexualité des femmes blanches avec des hommes non blancs. Pensez en outre à l'application pratique qui ressort de cette loi particulière. Quel en est le résultat? Dans la localisation du pouvoir patriarcal chez les hommes blancs. Nous avons parlé de la loi de 1664 et son amendement à la loi de 1681. Et nous avons noté que la clé pour comprendre la différence entre ces deux lois, c'est que cette référence au groupe concerné emploie une terminologie qui fait glisser les désignations de Britanniques et autres nés libres à Britanniques et autres femmes blanches. Dans cette loi particulière, la question est: qu'est-il arrivé entre 1664 et 1681? La réponse est la révolte de Nathaniel Bacon, déclenchée en 1676 dans la colonie britannique de Virginie par des Blancs vivant sur la frontière avec les Amérindiens, rejoints plus tard par des esclaves noirs et des serviteurs blancs. Ce fut une révolte massive dans la colonie de Virginie qui a duré plus d'un an. Permettez-moi de donner un aperçu des germes de cette rébellion, ce qui a contribué à donner naissance à cette explosion de violence. Ceux qui étaient asservis, par définition, des travailleurs mécontents de leur statut et dans ce bassin de l'Angleterre, de travailleurs pauvres facilement disponibles, ont été joyeusement envoyés dans les entrailles des navires, ce qui a asséché cette population dans ce bassin d'Angleterre où il n'y avait plus de réserve d'ouvriers disponibles en Grande-Bretagne pour gérer le travail dans les plantations des colons.
Le résultat est qu'ils ont commencé à imposer des sanctions plus sévères aux personnes sous contrat d'engagés qui étaient déjà là, pour des infractions relativement mineures, ce qui entraînait des extensions importantes de leurs années de servitude. Ceux qui ont terminé leur mandat et qui ont été libérés de leur statut d'asservi étaient frustrés. Ils étaient frustrés parce que le roi d'Angleterre avait donné la quasi-totalité des terres cultivables à ses copains, et même s'ils pouvaient trouver des terres pour s'essayer au tabac, les prix chutaient tandis que les taxes augmentaient, de sorte que les terres et autres opportunités sont devenues beaucoup plus limitées. Ce gars, Nathaniel Bacon, n'a pas eu à chercher très loin les travailleurs mécontents, à la fois ceux qui ont été réduits en esclavage ou ceux sous contrat de servitude faisaient face à un traitement pire encore, et ceux qui étaient libérés faisaient face à moins de capacité à s'accomplir pour eux-mêmes avoir un avenir. Les personnes de descendance européenne et africaine ont combattu dans la première phase de la rébellion de Bacon contre les membres des tribus indigènes. Et puis dans la deuxième phase de la rébellion de Bacon, tout ce petit monde s'est retourné contre la décision de l'élite britannique. Nathaniel Bacon est finalement mort des blessures qu'il a reçues lors d'une bataille, et l'Angleterre a envoyé des troupes dans la colonie et a finalement annihilé la rébellion. Mais non sans avoir fait impression significative sur ceux qui ont exercé l'autorité et ont été menacés par cette rébellion. Rappelez-vous, cette rébellion a duré plus d'un an. Et des registres, des législateurs en Virginie, de l'autorité juridique, de surveillance en Angleterre, a relevé que plus de 30% de la population était en faveur de la rébellion. Ainsi était la leçon de la rébellion de Bacon. C'est qu'une force de travail unie est une menace pour la forme de capitalisme qui s'installe à l'intérieur des colonies à ce moment. Les législateurs de Virginie ont écrit des lettres à l'autorité de surveillance de Londres expliquant qu'ils avaient l'intention de poursuivre une stratégie de division et de conquête afin d'empêcher une rébellion future. C'est seulement après la rébellion de Bacon que nous voyons l'émergence des Blancs comme groupe d'humanité. Pensons à ce sujet une minute. En 1681, certains législateurs inventent une nouvelle étiquette pour un groupe de personnes. Imaginez-vous, juste une seconde, ces privilèges et avantages venir en vertu de ce label d'un groupe imposé en tant que législateur sur vous. Quand vous n'êtes pas de ce groupe qui détermine la façon dont vous allez être traité et qu'est-ce que vous devrez faire et comment vous devrez le faire pendant des années et des années, imaginez comment ce groupe pourrait commencer à se sentir spécial. Imaginez que quand vous n'êtes pas dans ce groupe, vous vous demandiez « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ça joue sur le mental. Revenons à cette stratégie de conquête. Avant et pendant la rébellion de Bacon, les travailleurs ont été unis et ont vécu la même vie d'abus. Ils faisaient face aux mêmes droits d'opportunité et privilèges une fois qu'ils avaient été libérés de l'esclavage ou du terme du contrat de servitude. Ce qui était sur le point de changer. Un tas de lois ont été adoptées dans les décennies après la rébellion de Bacon, tout en continuant à passer des mesures ségrégationnistes durant tout le premier quart du siècle suivant. La première série de lois comprenait l'interdiction aux Noirs libres de détenir une fonction publique, ainsi que l'interdiction des Noirs et les membres de tribus indigènes de se marier avec des Blancs. L'exigence que les Blancs, après l'achèvement de leurs conditions de service et des marchandises qui leur soient payées, y compris des fusils et de la poudre à canon, d'un autre côté, il y avait une interdiction pour les Noirs libres de posséder une arme. Nous allons revenir à cette interdiction imposée aux Noirs de ne pouvoir porter aucun témoignage contre les Blancs. Ces lois ont commencé à donner un sens différent à ces étiquettes. Et en priorité, dès ce moment-là de l'histoire, le fait de référencer d'où l'on vient
et à quelle nation d'origine nous sommes attachés n'avait plus aucune espèce d'importance. Revenons à la loi qui interdisait aux libres noirs de posséder une arme. Cette loi a essentiellement dépouillé les noirs libres de leur capacité à tenir un pouvoir patriarcal. Regardez sous la loi de la couverture sur le mariage, voici comment les choses se déroulaient. Les hommes avaient le contrôle sur les femmes dans la société, leurs épouses. Ils contrôlaient leurs enfants et avaient le pouvoir légal de le faire, y compris de les battre. Ils avaient le contrôle sur les actifs financiers et les terres. Ce que l'homme devait en échange de cette autorité, c'était assurer la protection. C'était le compromis pour le pouvoir patriarcal en vertu de cette loi. Regardons maintenant cette loi qui interdit aux Noirs de témoigner contre les Blancs. Nous verrons que tout au long de l'histoire américaine, il sera interdit aux Mexicains de témoigner contre les Blancs. Aussi, pour les Chinois, interdit de témoigner contre les Blancs. Et plus généralement, l'étiquette mongole pour assimiler des personnes descendantes de Japonais, Cambodgiens, Philippins, etc. À travers l'histoire des États-Unis, lorsque vous regardez ces lois, quel est le message lancé aux Blancs? Chacune de ces lois a un message adressé à la fois à ce nouveau groupe de personnes appelées personnes blanches et aussi un message à ceux à qui l'on nie ou restreint les droits. Ce paquet de lois passé après la rébellion de Bacon en première instance. Représentons la stratification à l'échelle socio-économique dans la colonie. Nous avons donc la possession de terres par l'élite, qu'on appelle de nos jours les 1% au sommet de la pyramide, et aussi la représentation d'un nouveau groupe d'ouvriers appelé blancs. D'un autre côté, nous avons la représentation des travailleurs de descendance africaine et de membres de tribus indigènes avec la rébellion de Bacon. Et à travers elle, ces ouvriers ont eu la même vie, les mêmes opportunités, mais qui ont alors changé juridiquement. Quand on regarde ce changement, cela s'opère avec la division du bloc des masses de travailleurs sans distinction de couleur de peau. Ces lois ont créé une signification différente pour le groupe de serviteurs et ouvriers européens contre le groupe des travailleurs noirs et amérindiens. Mais cette loi n'a pas fait beaucoup pour élever le statut économique des ouvriers blancs afin d'être plus proche de celui des élites blanches, avec très peu de mouvement vers le haut. Ce qui a fait que les personnes de descendance africaine et de tribus indigènes ont été poussés vers les bas étages pour créer un nouveau fonds à la société coloniale. Regardons ce groupe de l'humanité appelé les Blancs. Nous apprenons de cette histoire que blanc est un concept qui a été construit sur l'idée que les Britanniques avaient d'eux-mêmes. Blanc, chrétien, né libre, comme méritant des droits et privilèges auxquels d'autres ne peuvent avoir droit. À ce jour, les Blancs n'ont pas été définis en matière de loi. Cette histoire nous apprend que le blanc est l'outil par lequel les ouvriers ont été divisés et ceux qui partageaient les mêmes conditions de vie, les mêmes opportunités, maintenant se sentent plus proches, plus connectés à l'élite blanche qu'avec son voisin noir américain, même si sa situation économique est beaucoup plus similaire à ce voisin qu'à la vie des 1%.
Soul Phoenix Beat.